Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans votre Force Level, émission d'Inreal Games. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur Mini Metro, un jeu où va falloir apparemment gérer tout ce qui est station, transport, etc. Donc un gros aspect stratégique simulation, peut-être on va voir ça ensemble, on va le découvrir, donc je vous dis à tout de suite. Retour les amis, donc voilà, on est en gros sur les différentes maps proposées sur ce mini métro. Tout simplement, nous avons les villes suivantes: Londres, Paris, New York, Hong Kong, et après on aura différentes stations: Osaka, on aura Saint-Pétersbourg, Montréal, Sao Paulo, etc. Donc faut savoir qu'en gros c'est un jeu en early access qui m'a été envoyé par les développeurs, voilà, donc merci à eux d'avoir accepté que je fasse une émission, voilà, tout simplement sur votre jeu. Et donc, on va commencer tout de suite par Londres, on va voir ce que ça donne. Tableau des classements, jouer, voilà. Alors je sais pas du tout sur quoi on va tomber, il n'y a pas de son en arrière-plan, donc voilà, on est sur quelque chose de très très simpliste apparemment. Et on nous apprend tout de suite à gérer les lignes, voilà, on nous demande de créer la première ligne de métro. Voilà, qui est donc opérationnel, très bien. Deliver passenger to many station, ok. Donc faut délivrer aussi les passagers à une autre station. Très bien, parfait. Ok. Et afin que tout soit correctement desservi, j'imagine qu'il va falloir faire la même chose ici. Ah, ici à ici, d'accord, ok. D'accord. Faut vraiment desservir tous les coins, d'accord. Et de là à là. Très bien. Freeing, remove an existing. D'accord, on va voir. Ah oui, d'accord. On n'a plus de lignes disponibles. Voilà, on a trois couleurs. Et du coup, il faut en supprimer une pour en mettre une autre, apparemment. D'accord, on a de nombre de voyageurs. On est jeudi, le temps tourne, etc. Ok. Donc comment je peux supprimer une ligne, d'ailleurs? Voilà, on me dit non, non, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Alors, si je veux supprimer, on va dire celle-ci. Ah, d'accord, en fait, elles s'agrandissent. Alors, voilà, je crois que je l'ai supprimée. Voilà, exactement. Celle-là, je vais l'enlever. Voilà, je vais la supprimer. Alors, comment je peux faire? Oh là là! Je m'embrouille, ça y est, c'est le bordel. Comment je fais? Je veux supprimer ça, s'il vous plaît. Hop. Alors, sachant que le truc est en anglais aussi, c'est pas facile. J'aimerais supprimer cette ligne, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Cette ligne-là, pareil, j'aimerais la supprimer aussi. Voilà. Exactement. Pour, en gros, que ma ligne fasse ça, 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 et ça. Voilà. Deux semaines. You have a locomotive. D'accord, super. Donc, on a un nouveau moyen de transport. Comment voulez-vous dépenser le reste de votre budget? Dans les lignes. Pour avoir plus de lignes, j'imagine. Ça, on va l'enlever. Ah, d'accord, c'est une ligne supplémentaire. On va se calmer, Tony. On va se calmer, on va se calmer. Tac. Et je pense que... on peut pas passer. D'accord. Ok. Alors, comment on peut regarder ça? Ça, c'est le temps qui passe, d'accord. Voilà, ça, c'est le nombre de voyageurs dedans, apparemment. Très bien. Voilà. On voit un petit peu comment ça se passe. Pourquoi? Votre métro a fermé à cause d'une trop longue attente dans la station. 49 passagers ont voyagé sur votre métro pendant 9 jours. On va recommencer. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Je pense que déjà, là, voilà, on est bon. Pas se prendre la tête. Plutôt pas mal pour l'instant. Un périphérique, etc. Bon. On a un passager, très bien. Ensuite.
Donc faut mettre des wagons supplémentaires, hein, sinon c'est le bordel apparemment. Faut vraiment gérer l'attente des passagers, d'après ce que je comprends. Voilà. Tac. Et puis tac. Très bien. On gère. Parfait, il y a du changement, etc. Très bien. Ok. Donc là, on est en manque de couleur, hein, j'ai envie de dire. On peut pas passer non plus, d'accord. D'accord, et après, il y a moyen de faire quoi? Ok, ça c'est pas mal. Il aurait même fallu qu'en fait notre ligne elle passe par là. D'ailleurs la rouge devient un peu useless, hein. Donc on va détruire la rouge. Comment on fait pour détruire la rouge? Hop. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Ensuite, la bleue, elle peut redescendre. Voilà. De là et faire ça. Et you have received a new locomotive. D'accord, super. On va mettre ça dans les locaux. Alors, je choisis en gros où je veux mettre la loco. Très bien, on va le mettre sur la voie de bleu. Très bien. Et là, je peux mettre un nouveau train, apparemment, qui va desservir cette zone. Très bien. On est pas mal. On est pas mal du tout. Je pense qu'on va optimiser notre ligne rouge là. Voilà, en lui disant d'aller ici, puis ici. On a notre banlieue en gros, ça descend vers le sud, on dessert le nord. Ça me semble pas trop dégueulasse comme ça. Par contre, il va falloir une autre loco en moins un autre, quoi, parce que sinon ça va être compliqué sur cette ligne. Alors comment desservir celle-là? Alors faut réfléchir hein, du coup. Tout simplement on va. Ah oui d'accord. Hop, on va agrandir celle-ci pour revenir là. Ça me paraît pas mal. Et si après on peut faire une boucle avec celle-là, ça serait cool. Pas ce que je veux faire du tout. C'est pas ce que je veux faire du tout. Voilà. Celle-là, du coup, une nouvelle station qu'on va mettre ici. Parfait. Je pense que celle-ci va vite devenir useless, du coup, aussi. Là, ça devient long. Ici, ça devient long. Il va falloir desservir autrement. Hop. On a reçu une nouvelle loco. Ouais, vous allez recevoir argent loco, hein. Hop, qu'on va mettre ici. Voilà, ça redescend, on le voit, c'est parfait. Quoique ça remonte en fait. Hop. Ce serait pas mal en fait de faire une liaison ici par là aussi. Alors,
comment faire. Ok. Cependant, ce serait intéressant. Alors moi, je suis concentré, hein, les amis, hein, vous le savez. Hop. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, donc, ça serait bien que on ait. Alors, celle-ci, elle vient totalement useless. Tac, tac, tac. Si on pouvait prendre celle-là et faire ceci, puis cela. On peut pas. Ok. La jaune devient useless. On n'a pas de nouvelle ligne. Faudrait revoir le tracé du coup. Ah, c'est bien compliqué. Tac tac tac. On peut pas, on peut pas, on peut pas. Voilà. Déjà pas mal si on étend. Hop, hop. Ok. La jaune, je pense qu'elle est totalement useless. Voilà, on a reçu une nouvelle loco. Et ça serait bien qu'on travaille sur une nouvelle ligne. Sur la rouge, la nouvelle loco qui, elle, a besoin, typiquement. Tac, nouvelle ligne, bim. Ah putain. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Hop. Hop. Alors pourquoi? Tac, 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 regardons. Ouais, il faut que je desserre. De toute façon, j'ai pas le choix. Voilà. Très bien. Toi, je vais te desservir comme ça. D'ici. Voilà. Parfait. De là, je pense que nous pouvons également desservir celle-là. Voilà. Ça devient compliqué, voilà. Ouh, c'était chaud. C'était chaud, c'était chaud. En fait, ouais, faut vraiment gérer tout l'afflux de personnes un maximum de temps. Hein. Votre métro a fermé à cause d'une trop longue attente. 333 passagers ont voyagé sur votre métro pendant 24 jours. Ok, bon bah apparemment, on a quand même vu l'aspect global du truc. C'est en gros qu'il faut gérer le plus de stations possible en essayant d'optimiser les lignes, etc. Donc on va faire Paname, les amis. Alors c'est un jeu qui est en Early Access, voilà, parce qu'il est indépendant déjà. Faut le savoir. Il n'y a pas de son, il y a pas de son, ça joue très très simplement. Hop, voilà, parfait. Et du coup, je vous avoue que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je vais pas vous mentir, je trouve ça très sympa. Hop, voilà. On va pas se prendre la tête. On va créer une deuxième ligne ici. Comme ça, comme ça. Donc c'est pas mal. Et tout est tellement épuré, très simple. C'est très très bon. J'aime beaucoup en perso. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal.
Notre métro prend forme, tranquillou, il prend vie. Alors, je peux avoir une autre ligne. Qui, elle, va évoluer plus au sud. Elle plus par là et elle plus par là. Tout simplement. Voilà, et on peut vraiment dessiner le truc très proprement. C'est très sympa. Alors, je suis très concentré, je regarde un petit peu comment ça. On a 40 personnes. C'est assez bien desservi. Voilà, il y a pas mal de monde dans cette station d'ailleurs. Et on a reçu une nouvelle locomotive. Très bien. Et on va mettre un wagon supplémentaire sur la ligne jaune. Voilà. Un wagon supplémentaire qui va prendre beaucoup plus de personnes. Après, on aura la possibilité d'avoir un autre tram. Comment on va la faire celle-ci? Celle-ci ne passera pas. On n'a pas de tunnel. Et là, on est en galère. Bon. On va devoir revoir un petit peu le business. Bim. Alors, comment on va faire? Non, non, je fais de la merde. Je fais de la merde. On va tout simplement faire ça, ça et ça. Ok. Pourquoi ça marche pas? Bon, ok, on va pas se prendre la tête. Voilà. Voilà. De là, je pense que celle-ci, bah, la jaune, elle peut aller un peu plus loin, hein. Ah merde! Putain. C'est chiant. Hop et hop. Ah d'accord. Bon, c'est pas grave, ça le fait. Regardons un peu comment on peut gérer. Ici. Voilà, comme ça. Voilà. Ok. Là. Oh ouais, ça c'est chaud là. Là c'est chaud. Il aurait fallu une ligne supplémentaire en fait. On va devoir mettre une loco sur cette ligne là. On va essayer donc de prolonger celle-ci comme ça. En bas il y a du peuple, hein. Ah mince, ah non ça va. Vers une ligne supplémentaire, ça m'arrangerait pas mal. Comment on peut faire? Voilà. C'est pas mal, on gère bien là du coup. On va juste faire très attention en bas. Il nous faut une nouvelle loco, je pense qu'on va la mettre sur la ligne verte. Tout simplement, pour charger un max de personnes. Ça va être une ligne assez sollicitée du coup avec les changements. Donc bon. Ça m'arrangerait d'ailleurs que ça fasse le tour cette histoire. Ah, on peut déplacer les locaux. D'accord. Ça c'est pas mal aussi. Est-ce que ça peut... Ça attend là-haut. Ah oui, là-haut, ça attend. Voilà. Hop. Voilà, on va prolonger aussi. Comment on peut faire? Il y a une autre station là. Bon, bah,
simplement détourner un peu le business. C'est pas un problème. Alors, je pense qu'on y gagnerait en faisant plutôt. Ah, on peut pas l'améliorer celle-ci? L'agrandir, je veux dire. Bon, très bien. Ça, on peut pas non plus. Ah merde. Ça, c'est moins cool. À desservir, c'est moins cool. Je pense que celle-là, on va la relier ici. Non, on peut pas. Mais tac, tac. Celle-là, j'aimerais qu'elle soit reliée là. Je peux pas. Ah, j'ai une nouvelle ligne sinon. Alors, j'ai foutu un peu la merde. Voilà. J'ai une nouvelle ligne. Qui peut faire? Tac, tac. Tac. C'est pas mal. Du coup, c'est lui qui va charger le plus, hein. Donc on a une nouvelle loco ou pas? Non. On s'en sort pas trop mal. Ouais, si, sauf ici, on a une vraie galère. Ici, s'il y en a vraiment beaucoup. On va essayer vraiment de concentrer le flux ici. L'avantage, c'est qu'on charge bien. C'est pas trop mal. On va essayer de mettre, voilà, un raccord à la station là. Pour essayer de diversifier un petit peu le truc. Enfin, de vraiment d'éparpiller les gens. Là, ça patiente beaucoup. Ça va être très compliqué. L'agrandissement de ces lignes est juste monstrueuse. Non, c'est pas ce que je veux faire. Ah, putain. Ouais, tu me diras, bon. Non, c'était vraiment pas ce que je voulais faire. Hop. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Ici, ça devient compliqué. Il nous faudrait une loco supplémentaire. Où est-ce qu'on peut avoir ça? Voilà, on a mis une loco de plus, mais ça suffira pas. Non, ça suffira pas. Ok, bon bah notre record, 442 passagers. Donc si vous aussi vous avez mini métro, bah écoutez, n'hésitez pas à me faire part de votre record sur la ville de Paris et à me dire combien de passagers vous avez réussi à effectuer, à transporter, pardon. Et puis, bah les amis, je vous remercie d'avoir maté ce force level. Certes un peu calme hein, au niveau de l'audio derrière, mais bon, c'est le jeu qui veut ça. Je le conseille vraiment, moi c'est un petit coup de cœur, je l'aime beaucoup, un truc qui passera un petit peu le temps. Et donc, bah je vous dis à bientôt, tout simplement dans un autre force level sur InRealGame. Allez, ciao!